Tout commence, comme souvent, par un questionnement simple. Quelle est la raison de l'emplacement étonnant des petites chapelles auvergnates de Brionnet ou de Saint-Florey, au pied du massif volcanique du Sancy? Ces monuments trônent au-dessus de la vallée. Pourquoi les a-t-on construits en de pareils endroits? Pour la vue imprenable? Pour se rapprocher du soleil? Et s'il existait une toute autre explication? Et si ces chapelles avaient été construites sur l'emplacement de monuments encore plus anciens, comme les dolmens ou les menhirs, par exemple? En s'appuyant sur les principes de la première architecture monumentale découverte par Howard Crowhurst, chercheur britannique vivant près de Karnak, Quentin Leplat nous partage dans son film ses dernières découvertes, dont une première constatation de taille. L'emplacement des mégalithes dans la région n'a pas été choisi en vain. Au contraire, leur implantation résulte d'un plan extrêmement bien pensé, où il semble qu'aucun détail ne fut laissé au hasard. L'organisation spatiale des dolmens et des menhirs sur tout le territoire repose sur des principes géométriques simples, mais d'une très grande finesse. Et le niveau de précision avec lequel ces constructions furent réalisées dépasse celui des scientifiques du 19e siècle. Nous commençons à peine à pouvoir l'apprécier à sa juste valeur à l'aide de nos outils modernes. En tentant d'apporter des réponses à sa question initiale, l'auteur nous entraîne dans une enquête fabuleuse à travers l'espace et le temps. À ses côtés, nous découvrons que les chapelles les plus importantes de la région furent bâties à l'époque selon les mêmes principes et le même degré de précision que les structures mégalithiques. Pourtant, ce degré de précision n'était pas censé exister à cette époque. Les cartes de Cassini nous en fournissent d'ailleurs la preuve. À vrai dire, seuls les peuples ayant érigé les dolmens et les menhirs avaient démontré jusqu'ici un tel niveau de compétence et un tel savoir-faire dans l'organisation spatiale des monuments sur d'aussi longues distances. Et l'auteur va plus loin. Nous faisant dépasser cette fois-ci les frontières de la France, il nous révèle que les principes géométriques que l'on retrouve au pied du massif du Sancy furent employés en fait sur toute la planète. En Égypte, par exemple, sur le plateau de Gizeh, où règne encore l'une des sept merveilles du monde antique, la seule qui soit toujours debout, la pyramide de Khéops. Mais aussi au Mexique, où il réalisa en 2015 son tout premier documentaire, Teotihuacan, la cité des anciens bâtisseurs. Dans la lignée de son travail et de son précédent documentaire, le nouveau film de Quentin Leplat bousculera la vision que vous avez de la culture de nos ancêtres. Il vous replongera dans les mythes et les légendes d'une civilisation disparue qui aurait existé dans des temps si reculés que nous en aurions perdu la trace et la mémoire. Au fil de ces découvertes, c'est toute la pensée des anciens que vous pourrez toucher du doigt. Vous n'aurez jamais été aussi proche de saisir la pensée des peuples qui sillonnèrent notre planète dans un passé lointain et dont nous sommes, sans le savoir, peut-être les héritiers.